retour sur le tour. Qu'est-ce qu'on ressent avant le grand départ? Toujours la même excitation, je dirais, et énormément de motivation. L'an passé, vous étiez la deuxième meilleure française du classement général. Est-ce qu'il y a l'ambition de devenir la première? Non, j'ai pas d'ambition personnelle pour le classement général. Ça sera vraiment tout pour essayer d'aller chercher une victoire d'étape avec l'équipe et un bon classement aussi général, mais pour notre leader, Cécilie. Vous avez Cécilie, vous avez aussi Martha, vous avez aussi Grace. Il y a l'ambition de réaliser un bon classement général, mais aussi peut-être d'aller chercher des victoires d'étape? Ouais, je dirais, l'objectif principal est d'aller chercher des victoires d'étape. On en a eu une l'année dernière, on a vu toutes les émotions que ça donne. Et on est là pour aller en chercher une deuxième, et on a une équipe très dense avec pas mal de cartes qu'on a de quoi faire. Un mot sur l'étape du jour pour finir, est-ce que vous avez l'intention de bouger dans le final? Ça peut vous convenir, c'est arrivé quand même relativement difficile. Ouais, je pense que c'est un beau parcours pour nous, c'est une arrivée assez petite aussi avec cette montée à 9 km de l'arrivée. Je pense qu'il y aura du spectacle et on sera là pour peser sur la course. Merci, bonne chance. Merci.